Ogwe Fiozo Namani. Je vois que vous êtes fier pour votre élection. Oh oui, merci. C'était vraiment très gentil de votre part. Ah, bien. Mes félicitations. Merci à vous, frère. Tu méritais ça. Tu es un homme bien. Merci, frère. Mes frères, j'organise une réception ce soir à ma résidence. Et j'aimerais bien que vous soyez là. Cette nuit? Oui. Donc la nuit? Oui, ce soir. Nous viendrons. Merci d'avance. Alors, comment vont les enfants? Ils sont dans la voiture et m'attendent. Ah. C'est cela. Bon, nous on te laisse prier. D'accord. À ce soir. Merci. Là, c'est ce que dit la Bible. Alors maintenant, prions. Père, une fois de plus, nous voici devant toi. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as accordé au courant de cette journée. Oh, toi, Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, devant toi, nous nous prosternons. Père, veille sur nous cette nuit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Allez, bonne maintenant nuit, tout maman. Le monde au lit. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma papa. Junior. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Junior. Bonne nuit, les enfants. À tout à l'heure, chérie. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi ce que vous faites là. Ogwefi Ozon Namani. Nous sommes venus te transmettre un message. Il est temps. Dites-moi combien de temps il me reste avant de quitter. Nous ne sommes que des messagers, Ogwefi. Si vous venez à la prochaine réunion, vos questions pourraient avoir des réponses. Nous sommes juste venus vous prévenir que votre temps est à son terme. Pourrais-je avoir encore un peu de temps pour mettre mes affaires en ordre? Vous n'avez pas à nous poser ce genre de questions. Nous ne sommes que des envoyés. Et nous venons de vous transmettre le message.
Ok. Ok. D'accord. Allez dire au suprême commandant que j'ai reçu son message et que je ferai tout le nécessaire. D'accord? Aurais-tu appelé Odofi? Non. J'ai eu comme impression que tu parlais à quelqu'un. Oh non, j'étais en train de conclure ma prière. D'accord. Bonne nuit. Je m'en vais me coucher. Chérie, je partirai de Lagos demain. Ah, pourquoi? Pourquoi si tôt? Je viens de me rappeler que j'avais des trucs à acheter pour l'église. C'est pour ça qu'il me faut aller chercher un peu d'argent. D'accord, c'est sans problème. Arindou, c'est toi ça, hein? Merci. Quand on a rangé ces routes, toi tu as refusé de contribuer. Aujourd'hui, on ne peut plus circuler tranquillement parce que tu t'es fait de l'argent, tu t'es acheté une voiture. Regarde ça. Toi seul, tu sais comment tu as fait pour avoir l'argent. Si on t'a demandé quelqu'un là-bas, tu ne mourras pas. Sorcier comme ça. Eh ben, c'est quoi? On dirait qu'Okuta Arindou, quand il s'est réveillé, il m'a vu dans l'eau. Il m'a renversé alors que j'étais sur le trottoir. Tout simplement parce qu'il s'est acheté une voiture. Comment est-ce qu'il a fait pour se l'acheter? Dieu seul le sait. Eh ben, tu demandes comment il a fait pour avoir sa voiture? Il a travaillé pour se l'acheter. Il a travaillé pour se l'acheter. Il est le seul à savoir comment on travaille. J'ai des enfants à Abba, à Kano, l'autre à Onisha. Dis-moi s'il ne travaille pas. Et Kobi, attends qu'elle te dise. Un jour, le tonnerre va gronder et toutes ces petites choses qu'il faut en secret, je te dis, vont transparaître. Tu verras. Amani. Tu es arrivé quand? Hier nuit. Hein? Comment se porte la famille? Ils vont bien, il n'y a pas de problème. Wifi, comment va votre mari? Il va bien. Ah, je vois. Là, je vais vous laisser parce que je suis un peu pressé. On se voit plus tard, d'accord? Hein? Mais bon, avant... Ebenebe. Ozona Mani. Oui, fille. Prenez. Merci. On se voit plus tard. Hein? D'accord, au revoir. Wifi Ozo Namani. Mon père. Soyez les bienvenus. Ah, merci. Mais ça père. Fait très longtemps depuis la dernière fois qu'on vous a vu. Oh oui mon père, vous savez à Lagos la vie est très difficile. C'est pour ça là-bas nous travaillons très durement. Si l'homme dort un peu, alors les événements prendront le dessus sur lui. Ah oui, si c'est vous qui le dites Wifi. Puisque vous êtes là, j'espère que tout va bien. Tout va bien mon père. Ah Dieu merci. Allons à l'intérieur pour mieux poser. S'il te plaît, apporte-moi le carton là. Thank you.
sinon comment vous allez mon père? Oh mon fils, ça va. Et le village aussi se porte bien. Ça c'est bien, Dieu est grand. Veuillez vous asseoir. Merci mon père. J'espère que vous avez fait un bon voyage mon fils. Oh oui mon père, j'ai très bien voyagé. Mon père. Oui, vas-y, dépose-la. Je suis arrivé hier nuit. Je serais venu depuis le matin vous rendre visite, mais comme vous voyez, j'avais beaucoup à faire à la maison. J'ai donc décidé de venir vous saluer aujourd'hui parce que demain je partirai très tôt. Mais qu'y a-t-il de si urgent, Lagos? Les affaires, mon père, les affaires. La parole de Dieu dit, si un peu tu te reposes, tes affaires chuteront. Et si tu essaies de croiser les bras, alors immanquablement la pauvreté te suivra. Là, c'est vrai, mon enfant. En réalité, c'est pour cela que j'ai pris beaucoup pour ceux qui travaillent à Lagos, pour fortifier leur courage. L'homme ne peut rien faire sans la volonté de Dieu. Père, la parole de Dieu dit, ce n'est qu'en comprenant le monde dans lequel nous vivons que nous pouvons vivre en paix. Alors mon père, si je suis venu vous voir, c'est pour vous remettre ceci. Je sais que je dois un certain don à l'église parce que ça fait un bon moment que je ne suis plus venu au village. Là, je vous ai apporté une somme de 400 000 naira. Et j'espère que ça suffira pour payer ma dette. En cas où il y aura reste, utilisez cela pour la construction de la nouvelle église. Ogwefi Ozonamani. Ah Ogwefi, sans vous mentir, ça c'est trop. C'est franchement plus qu'une offrande. C'est pour la construction de l'église, mon père. Je vous remercie beaucoup. Au nom de l'église, je vous dis merci. Et que la bénédiction de notre Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Amen. Mon père, ceci c'est un chèque de 500 000 naira. Et c'est pour vous, pour vos besoins. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Oh, Ogwefi, ah, ça c'est trop. Ce que vous avez déjà fait est bien. Mon père, non, s'il vous plaît. Comme vous savez, un travailleur ne pourrait être satisfait du produit de son travail que lorsqu'il arrive à le partager avec les hommes de Dieu. Donc mon père, ne vous en faites pas. Avec le travail que vous faites, vous méritez bien plus que cela. Oh oui, je le sais, mais ça c'est trop. Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec 500 000 naira? Cet argent est vraiment trop pour moi. Mon père, croyez-moi, c'est rien par rapport à ce que vous faites. C'est le peu dont je suis capable d'offrir. Vous faites du bon travail dans ce village. Et quel qu'en soit ce qui pourra se produire dans le futur, je suis certain que vous continuerez sur cette lancée. C'est bien mon enfant, mettez-vous à genoux, je vais prier pour vous. Thomas, je suis venu avec quelque chose pour vous. Afin que votre colère ne s'élève contre moi. Vous avez toujours voulu me donner un grand rang de notabilité. Je le sais, mais voyez-vous, je n'ai pas assez de temps. Le temps? Le temps pourquoi? Une parole de sage dit ceci. La goutte qui transporte le vin n'a pour mission que de le transporter sans savoir quand est-ce qu'on le boira. Ozon. Ozo, tu es toujours en train de parler en parabole, mon enfant. Mon roi, excusez-moi. Lorsqu'il sera temps, vous-même vous allez comprendre. Comme je vous disais, mon roi. Là, ceci c'est un chien de 500 naira. Je l'ai fait à votre nom. Cela pourrait régler quelques problèmes du village. Ogwefi Ozo Namani. Ozo Namani. Les gens ont l'habitude de dire que l'oiseau en matinée parcourt le ciel, mais quand vient le soir, il retourne dans son nid.
nous remercions les ancêtres que notre propre oiseau ait pensé à retourner dans le nid de ses aïeux. Ozone Amagne, que nos ancêtres et nos divinités te rendent cela au centuple. Qu'ils continuent de te protéger, t'assister et t'aider dans toutes tes voies. Ozo, Ozo Namagne. Personne ici n'est sans ignorer combien j'ai œuvré pour cette organisation. Sans me vanter, j'ai travaillé plus que chacun de vous. Pas pour mon unique progrès, mais pour celui de notre organisation. Est-ce que tu as pris connaissance des commandements de notre enseignement? Oui, suprême commandant. Mais simplement, je voulais... Personne n'a le droit du refus! Lorsque le grand chantier qui vient vers nous... Tu connais les conséquences si tu refuses! Tu as fait un choix! Et nous tous ici avons fait le même choix! La belle vie... Des richesses inimaginables... Et aussi un grand pouvoir pour devenir invulnérable comme toutes les grandes personnes. Croyez-moi, je n'en disconviens pas, suprême commandant. Puisque vous insistez pour les règles, je suis bien d'accord. Mais que deviendra ma famille? Oui, ma famille. Mettez-vous un peu à la place de mes enfants qui jusqu'à présent ont vécu dans la fortune. Le pouvoir. Dites-moi, comment est-ce qu'ils pourront accepter de retourner dans la pauvreté? Tu étais seul à faire ton pacte avec Chan Kiki et non avec ta famille. Et quand tu meurs, ce pacte est rompu. Si tu veux qu'on te laisse les biens, amène un de tes enfants à Chan Kiki. Non, 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 suprême commandant, non. S'il vous plaît. Je veux une autre vie pour mes enfants. Je préfère qu'ils aient la possibilité eux-mêmes de faire leur choix, s'il vous plaît. De quel choix tu parles? Ogwefi Osonamani. Ils peuvent choisir de servir un autre maître. Ils peuvent choisir de servir Dieu et de devenir de sincères chrétiens. Toi, ne parle plus de cette religion ici. N'ose plus laisser ce mot sortir de ta bouche ici. Ogwefi Ozo Namani, va et mets l'ordre chez toi. D'accord, suprême commandant. J'obéirai aux ordres de notre grand maître Chan Kiki. C'est bien! Arrête avec ça. Dépêche-toi d'aller m'appeler ta maman. Vas-y, rapidement. Papiers. Je voudrais que tu partes retirer l'argent qu'il y a sur ses comptes sans rien laisser dessus et apporte cela à ton église. Remets cela à ton pasteur
et demande-lui de prier dessus. Cet argent est pour toi et les enfants. Chérie, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Tu m'as entendu. Fais comme je t'ai demandé. Tu n'as pas répondu à ma question. Depuis que tu as eu cet accident, je n'arrive vraiment plus à te comprendre. Donc, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Mon chéri. Chéri, mets-toi un peu à ma place. Comment te sentirais-tu si je me levais un matin et me mettais à te parler mystérieusement? Hé, je suis ton mari, Suzanne. J'ai le droit de te parler comme je veux dans ma maison. Et fais ce que je veux de mon argent, compris? Et moi, je suis ta femme. J'ai entièrement le droit de savoir ce qui ne va pas. Il faut que tu m'expliques pourquoi subitement un matin tu te lèves et te mets à dispatcher ton argent partout alors que tu es encore en vie. Ma chérie, s'il te plaît, assieds-toi. S'il te plaît, prends ces documents et fais ce que je t'ai demandé. C'est important pour moi. Je t'expliquerai tout le moment venu. Non, Odofi, tu vas me l'expliquer maintenant. Mais par les dieux, tu ne comprends pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, qu'est-ce que tu as? Chérie, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu! Junior! Chrissy! Papa! Papa, il a quoi, maman? Non, maman, allez, papa, il a quoi? Papa, non, papa! Papa, qu'est-ce qui se passe? Papa, ne fais pas ça! Papa, non, ne fais pas ça! Non, papa! Non, papa! Papa, qu'est-ce qui se passe? Reviens-toi! Non, papa! S'il te plaît, lève-toi! Non, papa! Mais là aussi, le gardien! Comment va mon mari? Il va mieux pour le moment. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il a? On ne connaît pas encore. Mais rassurez-vous, on le saura bientôt. S'il vous plaît, docteur, ne laissez pas mon mari mourir. Je vous prie. Madame, nous ferons de notre mieux. D'accord. Madame. Docteur. Il a besoin de repos. Ok. Laissez-le se reposer. Les enfants, vous avez entendu le docteur. Allons nous asseoir. Ozone Amani, ton temps est à son terme. Ogwefi Ozone Amani, levez-vous. Vous dis vrai, je ne comprends pas ce que cela signifie. Mon grand frère meurt très riche et on est incapable de l'enterrer comme tel.
Si l'agent est un problème, pourquoi ne m'avez-vous pas contacté? Mais tu ne dois pas prendre ça comme ça. Je peux dire... Qui sont ces gens? Où est-ce que vous allez? Mais qui sont... Hein? Qui vous a invité ici? Dites-moi, qu'est-ce qu'il va pas ici? Pourquoi tu m'arrêtes? Les étrangers ne peuvent pas entrer chez moi comme ça. Mais où est-ce qu'ils vont comme ça, non? Personne ne peut les empêcher. Nandi, donc tu es avec eux? Toi, le frère à mon mari? Ton mari était aussi avec eux. C'est ce qui ne va pas. Eh bien, Suzanne. Je reviendrai te voir. Il y a eu certaines choses que nous devons régler concernant l'enterrement de ton mari. Marie ne me l'avait jamais dit. Eh bien, ma chère Suzanne, en fait, il y a deux chemins pour réussir dans la vie. Un, ne jamais dévoiler ce que tu fais à ta femme. Deux, ne jamais mettre ensemble deux concurrents. Pensez que j'ai vécu avec un homme qui lui était membre d'une secte. Confrérie, Suzanne, confrérie. Je m'en fous de savoir comment vous l'appelez. Une secte est une secte. Je suis chrétienne, moi. Et oui. Quand je pense que, durant nos longues années de mariage, il m'a rendue heureuse. Alors que moi, j'ignorais que cet argent qu'on dépensait venait du sacrifice des personnes innocentes. Nous ne sommes pas des démons, Suzanne. Nous ne sommes pas des démons. Et je peux aussi te rassurer que, quel qu'en soit ce que ton mari a fait, il a fait pour toi et pour le bien des enfants, pour que vous soyez tous mis à l'abri des besoins. Oh oui, Nando! Vivre bien pour des bêtises, alors que vous êtes milliardaire du démon. Franchement, je ne peux croire à ce que mes oreilles entendent là. Sans vous mentir, tout cela c'est une histoire à dormir debout. Il faut comprendre. D'accord, voilà, il faut qu'on comprenne ça bien. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Si c'est comme ça, c'est que Ogbena a créé un grand problème. Parce que les notables diront qu'on ne peut enterrer un homme qui est membre d'une secte. Quels notables? La plupart d'entre eux sont membres de différentes fraternités. Odibo, je vais ramener mon mari au village et l'enterrer. Bien, laisse-moi te rappeler, Suzanne, que notre fraternité s'occupera de son enterrement. Que je te dise, personne ne touchera mon mari. Nous avons vécu comme des chrétiens et moi je vais l'enterrer comme un chrétien. Essayez de le toucher et vous verrez ce qui va se passer, n'importe quoi. Au nom de mes ancêtres, ceci me dépasse vraiment. Avant, laisse-moi t'expliquer certaines choses pour ta protection. Lorsque ton mari
est devenu membre de la fraternité. Sa vie en tant que mortel avait été prise par le maître. Et la nouvelle vie, celle bien préparée par notre Seigneur et Maître, le grand chant Kiki, lui a été remise. Que Dieu te pardonne. Bien, c'est ce qui explique toute la fortune qu'il contrôlait lorsqu'il vivait. Alors, maintenant que son âme a abandonné son corps, la fraternité doit récupérer ce qu'il lui a donné. Aussi, laisse-moi t'informer que les membres de la fraternité seront les seuls à le voir avant qu'il n'aille dans l'au-delà. J'espère que c'est compris. Pas mes ancêtres, Nado. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Bien. Je voudrais aussi te faire savoir que si tu essayes d'empêcher la fraternité, les conséquences que tu subiras seront inimaginables. Ogwefi, Ozor, Namani, toi qui es en chemin pour rejoindre le maître, toi qui es actuellement entre les deux mondes, toi qui transportes avec toi les secrets de notre monde, nous te demandons de venir tout de suite pour les formalités de ton voyage. Tu n'es qu'au début. C'est pas encore terminé. Le voyage est encore long. Viens vite. Viens boire la coupe qui te rendra libre. Mais non! Viens! Deviendrez les membres de la plus grande fraternité après moi. Vous serez les princes de la terre après mon enterrement. Vous serez les seuls à connaître les secrets du monde invisible. Mais n'oubliez pas que viendra le temps où vous laisserez tout pour retourner à Shankiki. Vous êtes le prochain Nado. Oui, vous. Bienvenue mes enfants, et que la Sainte Vierge vous bénisse.
Je voudrais que mon mari soit enterré comme un chrétien. Je ne pourrais pas de mon vivant accepter que des personnes démoniaques viennent l'enterrer à ma place. J'ai vraiment entendu des choses incroyables. Votre mari était, sans vous mentir, un homme qui craignait vraiment Dieu. Que Dieu veille sur son âme. Amen. On s'est vu il y a une semaine. Oui, mon père. On était tous ensemble. Et avant cela, il est venu me donner une somme de 400 000 naira pour la construction de la nouvelle église. Voilà pourquoi il m'est difficile de croire à tout ce que les gens racontent sur son compte dans le village. Et aussi, je dois m'assurer que l'église veille sur son enterrement. Je vous remercie, mon père. Actuellement, nous l'avons placé à la morgue de l'hôpital. Par quoi pourrais-je commencer maintenant? Vous avez bien fait, mon enfant. Préparer son enterrement est ce qu'il y a de plus important. Le comité ecclésiastique viendra chez vous vous aider à établir comme il se doit un programme pour son enterrement. Merci, mon père. Autre chose, mon père. Il y a un de mes beaux-frères qui est dans cette secte. Il m'a fait savoir que si nous on osait empêcher leur secte d'inhumer le corps, les conséquences seraient inimaginables. Suzanne. Oui, mon père. Il n'y a rien d'imaginable que Dieu ne puisse réaliser. Nous servons un Dieu très puissant. Un Dieu capable de réaliser l'impossible. Le seul Dieu capable de faire des miracles, c'est lui l'alpha et l'oméga. Alors ne vous dérangez pas. Continuez avec les préparatifs. Merci, mon père. Maintenant, il est temps que je prie pour vous. C'est vrai que Oguefi Ozonamani était un respectueux notable dans votre royaume. Mais il était aussi un ancien de notre église. Et comme vous le savez, les traditions de l'église catholique demandent à ce que les membres importants comme lui soient enterrés au cimetière de l'église. Et c'est notre souhait. Vu qu'il a beaucoup investi pour la bonne marche de notre congrégation, c'est aussi le souhait de sa famille. Thank you.
mon père. Si on n'enterre pas Ogwefi Namani à l'église, est-ce que ça bafouerait les règles des moines? Pas du tout, mon roi. Bien. Alors, dans ce cas, il faut qu'on l'enterre dans sa cour, comme un bon notable. Notre femme, nous t'avons entendu. Un proverbe de chez nous dit qu'il est normal qu'un oiseau quitte le nid de ses parents lorsqu'il a des ailes. Ça dit qu'il est aussi libre de faire son nid sur le même arbre. Ton mari qui est notre frère, c'est vrai, était un bon chrétien. N'oublie pas qu'il était Ozo Ogwefi. Aïe, mon enfant, ton mari avait acheté un tigre à la chefferie. Alors, nous avons envers lui la dette de l'enterrer comme un vrai notable. Mais cela ne s'est pas pour dire que nous ne reconnaissons pas ton église. Vous avez le droit de l'enterrer comme vous voulez. Après tout, ton mari a été couronné avant toute autre chose. Ce qu'il dit est exact. Mon enfant, ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous évitons de faire des erreurs qui pourraient pousser les divinités à se fâcher de nous. C'est ça. C'est ça. Mes pères, comme vous l'avez dit, Ogwefi Namani était mon mari avant que je ne devienne chrétienne. Je n'ai pas dit non pour l'enterrement traditionnel. Voici ce que je dis. Ça prendra beaucoup d'argent. L'argent que mon mari a laissé ne pourra pas couvrir en même temps l'enterrement chrétien et traditionnel. Si on utilise tout l'argent, après l'enterrement, lorsqu'on l'aura enterré, comment pourrais-je m'occuper des enfants? Vous l'avez entendu? Cette femme est une bandite. Je vous avais toujours dit cela. Et personne ne voulait m'écouter. Elle a l'intention de garder tout l'argent que mon frère a laissé. Comme je vous dis, c'est une voleuse. Partout mes ancêtres. Onele, assieds-toi et ferme ta bouche. C'est à moi que tu demandes de fermer la bouche. Assieds-toi et ferme ta bouche. Naïe Ibo, laisse-moi tranquille. Onele, Onele. Laisse-moi, je sais ce que je dis. Ogwefi Namani, mon grand frère, était un homme très riche et personne ici ne l'ignore. C'est cela. Il a les sociétés implantées dans tout le pays. Et avant qu'il ne meure, il est venu ici dans notre communauté et a fait don de 500 000 naira pour installer les ponts publics. Alors dites-moi mes frères, dites-moi, comment peut-elle nous dire qu'il n'y a plus d'argent? Toi tu veux que mon frère soit enterré comme un poulet? Tu te trompes, chose impossible. En énième, que je te dise, pas tant que je serai en vie. Mes pères, Ogwefi Namani était mon mari. S'il y a quelqu'un qui souhaiterait qu'il soit bien enterré, moi, je suis cette personne. Alors dis-nous comment ça se fait qu'il n'y a pas d'argent. Dis-nous. Mes aînés, c'est vrai que mon mari m'a laissé des instructions de vider ses comptes, ce juste avant de mourir. Je ne l'ai pas fait avant sa mort. Lorsque je suis allée à la banque, ils m'ont fait savoir qu'il n'y avait plus un sou sur son compte et j'étais dépassée. Mystérieusement, tout avait disparu dans son compte. Je n'avais même pas eu le temps de payer pour son enterrement. Donc c'est l'argent qui était sur le compte des enfants que je suis en train de vouloir prendre pour ses obsèques. Hey! Wayanke, tu ne peux pas dire ça. Tout fier, mensonge! Vous l'avez entendu? Vous l'avez entendu, mes frères? Voilà, vous voyez ce qu'elle veut nous faire avaler?
Comme ça, des millions de naira ont subitement eu des ailes et se sont envolés dans le néant. Ça, c'est pas croyable. Cette femme est une voleuse. Elle n'est pas seulement une voleuse, mais aussi une meurtrière. Pour dire vrai, je crois que c'est la personne qui a tué notre frère. Par mes ancêtres, Onely, si tu ouvres encore ta bouche une seule fois, tu verras. Je vais la fermer avec ceci. Onely! J'avais bien dit que toutes les choses que les gens font dans le noir finissent un jour par transparaître. Ce qui est très sûr maintenant est que Odo Ozonaman fait partie de ces gens. Ma bouche est déjà large à force de parler de la même chose. Quelqu'un que je connais très bien m'a rapporté ce qui s'est passé à Lagos. Lui, il m'a dit ceci, que les adeptes d'une secte sont allés chez lui après sa mort prendre des talismans dans sa chambre. Lorsque le tourbillon passe dans la cour, les plus jeunes croient que ce n'est que du vent. Mais il n'y a que les vieillards pour savoir que même les esprits peuvent se cacher dans ce vent. Hey! Ma bouche a épousé le silence. Comme ça, c'est de cette façon-là qu'ils gagnent leur vie. Heureusement que je n'ai pas conseillé Obina d'aller les rejoindre à Lagos. Hey oh, Dieu merci que tu ne l'as pas fait. Remercie Dieu. Hey! Un proverbe dit ceci. Un homme qui s'en va en chasse voit des choses et se met à fuir. Il oublie que son chien a l'habitude de voir et de rester tranquille. Et Kate, ceci n'est que le commencement. Aller au devant. Vois ce qui se passe là-bas. À vos ordres, super commandant. Thank you.
que tu veux. Nado, qui est-il? Là, c'est pas le chemin qui va à la maison. Où est-ce que vous allez? Tu vois bien que j'emmène mon mari à l'église. Tu sais quoi, Suzanne? Je crois que tu cherches les problèmes. Et je suis prête à les assumer quand ils seront là. Merci, Nado. Merci beaucoup. Avancer, qu'est-ce qu'il y a? Ça refuse d'avancer. Qu'est-ce que tu veux dire par ça refuse d'avancer? Tu crois que ça me plaît de porter ça? Seigneur Jésus, c'est vrai que ça ne bouge pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Rien, madame. Ça veut dire quoi, rien? Madame, on est bloqué. Ça ne peut plus avancer. Pas mes ancêtres. Qu'est-ce que ça signifie? Hein? C'est une blague ou bien quoi? Dis, tonton, est-ce que je pourrais aller les aider? Non, n'y va pas. Pas mes ancêtres! Mon père, qu'est-ce qui ne va pas ici? Mon père, est-ce que ça va? Mon père! Voilà mon père. On dirait que... Ogwefi Ozo Namani refuse d'entrer dans votre église. Bêtise! Pas mes ancêtres! Nado! Ça n'a pas de sens! C'est des bêtises, Nado! Amenez-le à la maison. Nous viendrons là-bas pour les cérémonies. Je dis de l'amener à la maison. Je t'avais bien dit que tu cherchais les problèmes. Les gars, partons. Thank you.
était sous contrôle, super commandant. J'ai tout fait pour qu'on ne puisse pas amener le corps à l'église. Ça, c'est bien. On ne peut plus se lever et prendre un gobelet pour boire de l'eau dans ce village. Hein? Eh bien, où vont toutes ces voitures de riches qui se suivent en cortège? Hein? Ils ne comprennent pas que français. Va là-bas et demande-leur. C'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose d'intéressant chez Ozone Amani. Dis-moi, est-ce que tu les connais? Ekete, ce n'est pas de ma bouche que tu vas savoir. Si la chauve-souris pisse par la bouche, c'est pas moi qui vais te dire. Allons-y, dès qu'on va arriver là-bas, tu sauras tout. Revirons, père. Oui, Barnabé. Est-ce que vous vous rendez chez Ogwe Fiozon Amani? Oui, en effet. Père, je ne pense pas que ce serait bien de vous y rendre. Et pourquoi? À cause de ce qui s'était passé l'autre jour devant l'église. Père, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Et je pense que vous devez les laisser faire de leur cadavre ce qu'ils veulent. Mais Barnabé! Voudrais-tu dire que les serviteurs du démon sont supérieurs à notre Dieu? Mais je sais, mais comprenez que... Oui, et puis quoi? Maintenant, écoute. Tant que je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Parce que le Seigneur est avec moi. Reste à surveiller l'église. Je reviens bientôt. Mon père, prenez soin de vous. Tu savais tout. Pourquoi?
Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas dit ce que je devais faire? Pourquoi? Pourquoi tu ne m'avais pas tout expliqué? Maintenant, comment je vais faire? Oh mon fils, puisque tu savais que tu partais, pourquoi tu ne m'as pas dit ce qu'il fallait rester faire? Pourquoi tu ne m'as pas tout expliqué? Comment je vais pouvoir m'occuper de ces enfants? Je ne veux rien toute seule, mon fils! Comment je vais me laisser m'occuper de tous ces enfants-là, toute seule? Nous étions supposés nous en occuper tous les deux. Maintenant, comment je vais faire? Qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, grand-mère! Oh, grand-mère! Maintenant. Écoute, Suzanne, je voudrais pas qu'on devienne des ennemis. Tout ce que je fais maintenant, c'est pour ta sécurité et aussi pour le bien de tes enfants.
faut que vous sortez avant que les membres de la confrérie n'arrivent. Comme vous voyez, on ne fait rien qui soit contraire à ses volontés. Il était d'accord qu'on fasse cela. J'ignore combien de temps encore il me reste à vivre, mais laisse-moi te dire ceci, Suzanne. Tu ne peux pas t'opposer à nous. Encore moins votre prêtre. Tu ne peux pas encore comprendre le grand pouvoir que nous avons à notre disposition. Puis-je te poser une question? Mon mari savait-il qu'il devait mourir? Oui, il le savait. Lorsque la coupe se lève au-dessus de lui, tout le monde comprend que c'est à son tour de partir. Que vais-je faire? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est comme ça la vie. Tout le monde, un jour, est appelé à partir. T'en fais pas pour les enfants. Moi, je m'occuperai d'eux. J'espère que ce que tu dis est vrai. Je crois que vous devez partir maintenant. Cherchez-vous chez nous. La maison 7, vous aurez de personne. Non. Je vous parle, on dirait que vous n'entendez pas. Alors attendez, j'arrive. Sortez. Sortez de la conversation. Je vous demande de sortir. Notable, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous avez vu? Je vais descendre maintenant. Je vais vous abattre tous. Je demande de sortir. Sortez, je dis. Dehors, je dis. Mettez-vous dehors! Je vous demande de sortir! Vous voyez? C'est chargé! Oh! Vous l'aurez voulu! La chauve-souris n'a pas de plumes, mais il a des ailes et il vole. Pouvons-nous dire qu'il n'est pas de la famille des oiseaux? Thank you.
Quoi qu'on fasse, la victoire est mienne. Au Gwafi, au Zonamani, et cet homme qui est né et a grandi ici, nous lui avons donné le lait, nous lui avons donné le nom. Alors il sera enterré comme un notable d'ici. Alors partez, retournez à cet endroit d'où vous venez, sinon je vous lance, oui je lance la folie. Que les idées qui t'animent deviennent ta punition. Namani, retourne-nous ce qui nous appartient. Nous voulons le cœur, ce cœur qui appartient au grand maître Shankeke. Que faites-vous là? Qui vous a invité parmi nous? Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il se dressera contre mes ennemis. Il est pour moi une forteresse qui me protège de toute attaque démoniaque. Il règne sur toute forme de vie et son pouvoir est illimité. J'ai demandé qui vous a permis d'entrer là. Moi je marche avec le Seigneur. Vous ne pourrez rien me faire au nom de Jésus. Vous êtes ici sur mon territoire. Et si vous voulez jouer avec le feu, cela signifie que vous n'avez pas peur de la mort. Mon Dieu est celui qui a créé les ténèbres. Alors sachez que je n'ai pas peur de l'ombre. Il n'y aura pas d'ombre. Il n'y aura pas suffisamment d'ombre pour étouffer notre pouvoir. Moi j'ai confiance en mon Dieu et je sais qu'il est au-dessus de vous. Si vous ne fermez pas votre gueule, je vais la fermer. J'ai plus que la force du tigre. Alors que je vous dise, le grand Shankeke qui est un dévastateur
Alors sachez que devant lui, toutes les autres religions sont basses. Quoi que vous soyez les envoyés de Satan, sachez que mon Dieu est avec moi et je ne peur de rien. Il t'y en fera de tous vos manèges. Par la Sainte Vierge Marie, je vous conjure que le pouvoir de mon Dieu est plus grand. Là, vous voulez avoir des problèmes. Au nom de Jésus-Christ, vous serviteurs du démon, je vous ordonne de retourner dans les enfers. En ce moment, au nom du Dieu que je sers. Alors ta destruction est arrivée. Sache qu'on ne se mesure pas au grand chant Kiki. Feu au nom de Jésus. Feu au nom de Jésus. Feu au nom de Jésus. Je vous détruis. Je vous détruis, démon. Je vous détruis au nom de Jésus. Feu au nom de Jésus. Feu au nom de Jésus. Je vous détruis, je vous détruis, remets ça, remets où tu as pris. Vas-y, remets ça rapidement. Vas-y, remets. Cette vie que vous a donné votre maître. Nous n'avons pas de problème. Je ne veux pas te faire du mal. Allez-y, faites-moi du mal. Moi, je n'ai pas peur de vous. La lumière ne peut se mélanger aux ténèbres. Chankiki! Pas mes ancêtres. Mon père, qu'est-ce qui se passe? Comment pour mon frère? Hein? Hein? Laissez les morts enterrer leurs morts. Benébé, Ekete, Benébé, où allez-vous? Loin de ce village. Pour où ça? Pour n'importe quel autre village où on ne verra pas un cadavre assis dans son cercueil refusant d'être enterré. Ça ne suffit pas pour partir. Un homme doit combattre. Je croyais que vous étiez des hommes. Pourtant c'est faux. Tu peux nous appeler imbécile ou tout ce que tu veux. Tout ce que je sais, c'est que mes pieds ne fleuront plus le sol de ce village jusqu'à ce que tous les sorciers s'en aillent. Les choses étranges n'arrivent pas dans d'autres villages. Laisse ces choses étranges arriver dans ces villages. Tout ce que je sais, c'est que je ne serai pas de connivence avec votre sorcellerie. Depuis quand est-ce qu'un corps peut refuser d'être enterré et s'asseoir dans son cercueil? Courez! Courez comme des petits enfants qui sont poursuivis par des monstres. Mais n'oubliez pas que vos terres et tout ce que vous possédez retournera à la communauté. Tu n'oseras pas faire ça. Je t'ai dit. Si nous devions tous fuir comme ça, de ce village, parce que certaines personnes se sont permis de donner aux démons leur esprit et leur âme, n'allons-nous pas remplir le village des autres? Et que penseront les gens de ce village-là? Vous êtes des poltrons. Continuez de partir de village en village comme ça.
à chaque fois qu'il y aura un mal. Regardez-moi ces deux vieillards qui n'ont ni femme ni enfant. Allez-y, fuyez! C'est ce que tu nous as dit. Et c'est cela, Nado. Il nous a toujours montré sa grandeur. J'espère que personne ici ne doute de sa puissance. Mais n'oublie pas que la fraternité a été humiliée par ta famille, mon cher ami. Et ce déshonneur doit être vengé. Préparez-vous à cela. Une fois qu'Ogwefi Ozonamani sera enterré. Mais comment allons-nous l'enterrer sans avoir pris l'essentiel de sa vie? Oui, c'est cela. Oui, c'est cela. Comment pouvons-nous enterrer Ogwefi sans avoir mangé son cœur? N'oublie pas qu'il est écrit dans les mantras que si on ne mange pas son cœur, on ne pourra pas l'enterrer. Mais sinon, on mourra tous. Et maintenant, le cœur est détruit. Alors, grand commandant, sachez que nous devons suivre la loi. Si on ne veut pas tous mourir, comment pourrions-nous manger un cœur qui n'est pas à notre possession? Ogwefi Ozonamani, toi esprit des régions lointaines, tu sais bien que parmi nous tu n'as plus ta place. Vous avez le courage de me poser une telle question alors que mon corps est assis dans le cercueil dans ma maison? Pourtant vous m'avez fait boire dans la coupe spirituelle pour me rendre libre. N'oublie pas que c'est à cause de... Écoutez, je m'en fiche éperdument. J'ai payé mes droits et rempli toutes les obligations que m'a demandé cette fraternité. J'ai accepté la coupe lorsqu'elle me fut présentée. Et c'est pour ça que je suis mort. Et c'est la responsabilité des membres de cette fraternité de veiller à ce que je repose en paix. N'oublie pas que tout cela, c'est bien ta faute. Mais Ogwefi, vous-même connaissez les problèmes que nous avons eus avec l'église. Si ce n'était pas le grand pouvoir illimité de Shankiki, nous serions à présent tous morts. Tu as opposé notre religion à la fraternité, Ogwefi. Nado, tu es encore dans l'ignorance. Si j'ai fait ce que j'ai fait, mon cher petit frère, c'était pour satisfaire le monde. Bien, sachez que j'apporte le message du maître de l'autre monde. Il vous donne 3 jours. Je dis 3 jours. Si mon corps n'est pas enterré, le seigneur des ténèbres, Shankiki, viendra détruire personnellement cette fraternité. Nado, mon propre sang sera le premier à me suivre. Et après, toutes les autres personnes ici présentes, un par un, le suivront. Tu n'as aucun droit de donner des commandements. C'est toi qui nous as mis dans cette aventure. Si on se retrouve là, c'est bien par ta faute. En effet. Tu es allé à l'église et aussi tu t'es fait introniser dans ton village. Moi, j'ai dit. 3 jours et après, tout sera détruit. Tout sera détruit. Si vous ne m'enterrez pas dans 3 jours. Qu'allons-nous faire? Vas-y, dis-nous, suprême commandant, qu'allons-nous faire? Nous devons enterrer Ogwefi dans un délai de 3 jours. Là, c'est ce qu'il faut. Et son cœur? Le mantra dit aussi que si nous ne pouvons pas manger le cœur du membre décédé,
alors nous pouvons le prendre chez l'un de ses plus proches. Prenons son enfant et retirons son cœur. Faisons cela très vite. Où? Nado. Quoi? Suprême commandant, mais c'est... Mais mon frère vient de me remettre la coupe. Et je suis le prochain sur la liste. Et tel que c'est écrit dans nos enseignements, moi j'ai le droit de profiter pleinement de ma fortune avant de mourir. Oh, ça c'est vrai, c'est vraiment cela, c'est ça. Mon Gwefi a un enfant. C'est ça. Et son cœur est une source de vitalité. Faites tout pour prélever le cœur de cet enfant. Vous avez le droit d'éliminer tous ceux qui s'y opposeront. Telle est votre mission. Ce sera ainsi, suprême commandant. Non, non, Haru, abomination. Hey, jamais. Nado, comme je t'ai dit, ça ne m'intéresse pas et je ne voudrais plus qu'on en parle. C'est quoi ça? Le sang! Nado. On ne peut pas venir visage. Ce n'est pas franchement. Dites-moi ce que ça signifie. Tout ce dont vous parlez. Pas mes ancêtres. Ne sommes-nous pas importants là? Il dit quoi? Ferme ta bouche. Je dis ferme ta bouche toi. Si tu ne sais pas ce que tu dois dire. Si tu n'apprends pas à fermer ta bouche, c'est nous qui allons la fermer pour toi. L'homme qui a occasionné tout ceci. Est-ce que ce n'est pas ton frère? Et c'est pourtant aussi un enfant de ce village. L'oubliez-vous. Mais il a vendu son âme au démon. Et à cause de ça, toi et la famille de ton défunt frère devraient être renvoyés de ce village. Hey! Tango! Ok, je savais que tu allais suggérer cela. Laissez-moi vous dire, pas mes ancêtres. Vous devez venir enterrer Ogwefi. Lui, il était un enfant de ce village. Et il a aidé beaucoup d'entre vous là. L'enfant qui a mené le déshonneur dans son village. Qu'il se lève et s'enterre lui-même. Réfléchis avant de parler. Réfléchis. Vous devez, que vous le vouliez ou non, enterrer Ogwefi. On ne doit pas l'abandonner comme ça dans ce cercueil. Sinon, vous verrez comment la colère des dieux va vous consommer tous. Mensonge. Mais mensonge. Je dis ça, c'est faux. Ce n'est que la famille de Osunamani que Dieu va consumer. Parce qu'on n'était pas avec lui lorsqu'il a porté la honte dans ce village. Alors vous serez consumés. C'est ça, oui. Attendez, attendez. Ah. Mes chers frères. Essayons d'écouter la voix de la raison.
si nous laissons le corps des Ogoefi dans cet état? Cela serait néfaste pour des vies dans ce village. Dis-le! Dis-le! C'est pour cela que je suggère que nous fassions tout ce qui soit possible pour l'enterrer. Ah! Donc on doit tout faire pour l'enterrer, hein? Oui, bien sûr. Merci. Si je te demandais d'aller chez lui en ce moment-ci et de le pousser dans son cercueil, le feras-tu? Mais là, c'est pas ce que je suis. Personne ne fera rien pour Ogwefi Amani jusqu'à ce que toute sa famille vienne se confesser ici un jour pour nous dire dans quoi ils ont mis les mains. Oh! Oh! Voudrais-tu dire que c'est nous qui avons comploté cela? Oui. C'est ça? Hein? Écoutez, allez dire à ceux qui vous l'ont raconté que moi je ne suis pas un féticheur. Là n'est pas la question. Des choses étranges se passent dans ce village. Et vous êtes là à parler d'un corps assis dans son cercueil, refusant de mourir. Écoutez, laisse-moi leur dire. D'accord. Observons la famille de Osson Amani pour voir ce qu'ils ont décidé de faire de cette communauté. Ça c'est vrai. Odibo, oui. Pourquoi ne pas retourner à l'église? Ces gens-là ont la main dans cette histoire depuis le commencement. Ils n'ont qu'à venir terminer. Où était cette communauté lorsque l'église a décidé de s'en mêler? Hein? Je vous pose la question. Écoutez, laissez l'église en dehors de tout ça. Parce qu'ils ont essayé. Ceci n'est pas le temps des honneurs et des cérémonies. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Parce que quelque chose de plus grand que les criquets ont visité les criquets. Ce qui se passe ici n'a pas de nom. Odibo. Igwe. Odibo. Igwe. Odibo. Igwe. Quelles sont ces choses que je viens d'entendre? Igwe. C'est pour cette raison que nous sommes là. Il y a la terreur dans la ville. Je suis confus. Nantama, je ne sais quoi faire. Même ma maison est hantée en ce moment. Odibo. Nantama. Auparavant, cette communauté vivait tranquillement dans la paix. Jusqu'à ce que ton frère, Ogwefi Namani, décida de nous donner l'insomnie jusqu'à aujourd'hui. Alors écoutez, je vais vous dire ceci. Jusqu'à ce que vous et votre famille décidez d'enterrer votre frère, quel qu'en soit ce qui se passera, je répète que quel qu'en soit ce qui se passera, que personne ne vienne me voir. Les Namani vont maintenant diriger ce village. Namtama, non. Non, Namtama, ne faites pas ça. S'il vous plaît, Igwe. S'il vous plaît. Au nom de nos ancêtres. Namtama, non. Monsieur, je m'avais dit au docteur que c'était lui. Tous ceux qui osent défier le grand pouvoir du maître Shankeke devra cesser de vivre. À la Sainte Vierge Marie. Comme ça vous m'en voulez depuis la dernière fois. Le Seigneur vous laisse en vie et vous continuez à me tenter. Par le sang de Jésus. Essayez d'intenter ma vie. Et le Seigneur vous mettra dans la honte. Qui que vous soyez, n'oubliez jamais. Que la Sainte Vierge m'accompagne partout. Mon Père. Feu du Saint-Esprit. Docteur, c'est vous. Mon père, comme je vous ai dit, vous devez rester couché. Vous avez besoin de repos. Oui, vous devez vous reposer.
paix, s'il vous plaît. Odélie, qu'est-ce que c'est? Silo, qui supposait descendre d'une vallée, se met plutôt à remonter. Alors cela n'est pas du tout normal. C'est pour ça que je vais voir le prêtre. Vous allez le voir pour quelle raison? Okofi, mon frère, est toujours assis là-bas dans son cercueil. Restera-t-il ainsi pour toujours? Frère, que ferons-nous? Écoutez-moi, Odélie. Le révérend père n'est pas habilité à régler ce problème maintenant. Et en plus, ça ne l'intéresse plus de venir là-bas. Pour vous dire vrai, cela ne concerne plus notre équipe ecclésiastique. On ne viendra plus là-bas. Hein? Mais frère Benabé, vous ne comprenez pas. Nous avons tous peur de notre propre maison. On ne peut ni parler, ni s'asseoir, ni même dormir. L'esprit de Ouguéfi vient et nous perturbe à chaque moment. Et son cadavre est assis dans son cercueil. Il faut que le prêtre intervienne. Sachez que le prêtre ne peut rien pour vous. Vous voulez qu'il vous aide à enterrer un homme qui a vendu son âme au Satan? Hein? Odélie, la Sainte Bible dit ceci. Pour commencer, on meurt. Et après cela, le jugement. Frère, oubliez ce que dit la Bible. Mon frère doit être enterré. Ogwefi a beaucoup fait pour la construction de notre église. Vous n'allez quand même pas l'abandonner comme ça dans ce cercueil. Oh oui qu'on peut. Odélie, nous pouvons. Ogwefi a vendu son âme au démon. Qu'est-ce que les ténèbres ont à voir avec la lumière? On doit laisser les morts enterrer leurs morts. Hein? On doit laisser ceux à qui Ogwefi a vendu son âme pour des sous venir l'enterrer. L'église ne voudrait en rien se mêler de cela. Et c'est tout. S'il vous plaît, frère Benabé, s'il vous plaît, ne nous abandonnez pas comme ça. Je vous en supplie, il faut que mon frère soit enterré. Frère Benabé, je vous en prie, intervenez pour nous. Mon frère ne peut pas rester comme ça. L'église ne peut pas l'abandonner. Il était ancien à l'église. Papa! Papa! Papa, pourquoi toi tu es assis comme ça et maman dit que tu es mort? Papa, lève-toi, non? Papa! Papa, parle-moi! Papa. Quoi? Papa est assis là dehors. Oh, oui, maman, il est où? Je sais pas, je Junior. Sais pas. Junior. Maman. Junior. 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 Maman, je Junior, suis là. Où? Maman, je te vois, papa. Il est toujours assis là-bas dedans et il refuse de me parler. Chut, chut. Oh, maman, je l'ai vraiment vu. Il est assis là dehors. Je l'ai vu. C'est pas vrai. Avancez les enfants, battez, battez. Vas-y, cours, j'ai dit. Entre rapidement. Tiens, Odibo. Hein? Tiens, Odibo. Suzanne. Qu'est-ce qu'il y a? Ogwefi. 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 Il a fait quoi? Ogwefi était à la cour. Les enfants et moi l'avons vu. Hey, Odibo. Hey. Odibo. Hey. Ton frère. À quoi? Je l'ai vu. Je l'ai vu là derrière. Hey. Oh. Je l'ai vu. Hey! Au nom de mes ancêtres, ce monde me dépasse déjà. Eh bien, Eh, Kete, mes yeux ne vont pas rater ceci. Hey, hey! Laisse-moi te dire.
Il n'y a que le grand Dibia qui peut faire en sorte que ce corps-là s'allonge. J'ai même appris qu'il apparaît toutes les nuits à sa femme et à ses enfants. Qui? Qui d'autre ça pourrait être si ce n'est Obu Ozonamani? Ebelebe, tu crois pas qu'il serait un peu temps que tu arrêtes un peu de me raconter tout le temps des histoires? Vas-y, dis-moi, qui t'a dit que je raconte des histoires? Qui t'a dit que je mens? N'est-ce pas que j'ai vu son petit frère ce matin avant qu'il m'a raconté cela? Ah, Odeli, tout ce que nous trouvons dans une soupe, nous devons prendre tout cela comme étant la soupe. Tellement de rumeurs sortent de cette famille qu'on ne sait plus vraiment ce qu'il faut croire ou pas, je t'assure. Hey! Regarde, il y a quelque chose. Un ami m'a dit ceci. Les gens de l'au-delà ne lui ont pas encore trouvé une place. C'est pour cette raison qu'il est encore resté ici, assis. C'est sûr que ton père est le responsable du comité des chaises de l'autre côté là-bas. Sinon, comment le sais-tu? Et que t'es, comment le sais-tu? Tu fies à quoi? Va te trouver une place pour ton gros derrière, mon ami. Regarde-moi ça. Peuple, les yeux et les narines sont un. Oh oui, c'est cela. Ce qui affecte l'un affecte immanquablement l'autre. Ça c'est vrai, Namtema. C'est cela, c'est exact, mon roi. Oui. Permettez que je vous dise, nous ne pouvons pas abandonner cette famille dans le malheur en ce moment. Essayons de voir ce que notre grand Dibia, Akpalagbe, peut faire. Hey, Namtema, je vous remercie beaucoup. Ah mes ancêtres, tous nous apprécions votre décision. Igwe, allons nous laisser cette communauté se détériorer. Du calme. Essayons-le d'abord. Essayons ensemble de joindre les gourdes pour enterrer Ozonamani. C'est cela. Oui. Et après cela, nous pouvons prendre n'importe quelle décision. Hey, Namtema, tu vivras longtemps. Oui, nous avons gagné la victoire. Ma soeur, es-tu vraiment sûr qu'il viendra? Qu'est-ce que tu dis? Il va venir. Ah bon? Les notables ont fait tout le nécessaire pour le recevoir. Écoutez, mon mari et les anciens sont chez le Igwe et la tante. C'est sûr que c'est à Parapé. Je ne dois pas rater ceci. Écoute, je crois qu'on ferait mieux de rentrer. Ça doit être dangereux. Non, mes yeux ne vont pas rater ça. Là, c'est à Parapé. Ils ne peuvent pas me dépasser. Quelle qu'en soit la façon dont ils l'ont fait, ils ne peuvent pas dépasser l'Iroko. Akparagwe ne choue jamais. Akparagwe dit que Ogwe Finamani sera dans les 3 jours qui suivent au séjour des morts. Akparagwe vient de parler. Je n'accepterai pas que quelqu'un me couche après mon mari.
appartenait à l'église. Écoute, il faut aussi permettre que la tradition s'occupe. Mais Odibo, c'est bien à cause de toi que je suis ici. Oh. Et je ne comprends toujours pas ce qu'on est en train de faire. Mais, Angélique, calme-toi. Moi, j'insiste. Mon mari était chrétien avant tout. Et moi, je m'en vais l'enterrer comme un chrétien. Écoute, femme, tu as oublié ce qui s'est passé la dernière fois. On dirait que tu n'as plus de cerveau. Je ne te plains pas, Tommy. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Vas-y, Suzanne, continue. Suzanne, Odélie, veuillez vous asseoir. Vous êtes dans la maison de Dieu. Reverend Père, Reverend Père, toutes ces années que j'ai vécu avec mon... Toutes ces années que j'ai vécu avec mon mari avant qu'il ne meure. Il n'y avait pas un seul jour où il arrêtait de prier Dieu pour tout ce qu'il avait fait pour nous. Il a été baptisé dans cette église. Il a été confirmé dans cette église. Nous nous sommes mariés dans cette église. Et à chaque fois que nous venions au village, nous venions prier dans cette église. Révérend Père, l'église ne peut pas nous abandonner en ce moment où on a le plus besoin d'elle. S'il vous plaît, Révérend Père, nous sommes désolés. Nous sommes vraiment désolés pour tout ce qui s'est passé la dernière fois. Je vous en prie, n'abandonnez pas mon mari, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en prie. La Sainte Bible, mon enfant, dit ceci. Quel pouvoir avez-vous pour vous dresser contre mes lois et prendre mes commandements comme un simple jeu? Tu détestes mes instructions et foules mes paroles dans ton dos. Lorsque tu as vu le bandit, tu l'as rejoint. Tu as abandonné ta foi pour des personnes mauvaises. Et tu as utilisé ta bouche pour le mal. En oubliant les commandements de ton Créateur. Mais mon père, nous n'avons rien fait de tout cela. Par contre, ton mari était associé à ces démoniaques qui combattent les hommes de Dieu. Nous ne pouvons pas après tout cela l'enterrer. Mais mon père, comme je vous l'ai dit avant, mon mari n'est pas un occultiste. Révérend Père, c'est vrai, je ne voulais pas vous dire ça avant. Mais sachez que c'est le plan de Nado pour confisquer tous les biens de mon mari, ainsi que moi, sa femme. Je ne peux pas seulement tout vous expliquer maintenant. S'il vous plaît, faites cela pour moi. Maintenant, enterrez mon mari, mais mon nom de mes enfants, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mon père, je vous en prie. Eh bien, Suzanne, comme tu vois, ceci n'est pas une décision que nous pouvons prendre ici. Mon Dieu. Le comité ecclésiastique doit siéger pour prendre une décision concernant votre requête. Hein? Oui. Oh. Et comme ça, mon frère restera vous attendre dans ce cercueil? Pas mes ancêtres. Comment est-ce possible? Si c'est ça, je vais l'enterrer moi-même. Viens, viens, partons. Hein? Voilà. Écoute ce que racontent ces gens-là. Je compare. Regardez. On verra ça. Nous-mêmes, nous allons l'enterrer. Hey, mon père, s'il vous plaît. C'est même quel délire ça? Pour moi et pour les enfants, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mon père. Mon père, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites cela pour moi et pour les enfants. Pour la foi de mes enfants. S'il vous plaît. N'écoutez pas les mots frères, c'est comme ça qu'ils sont. S'il vous plaît, mon père. J'ai été prévenu par le grand maître que ta famille fera venir des gens pour essayer de mettre Ogwefi dans sa tombe. Mais les moustiques peuvent sucer le sang de tout ce qu'ils veulent, mais jamais sucer le sang d'un éléphant. Ces moustiques nous ont déjà créé beaucoup de désarroi, et il est temps d'en finir avec eux. Nous ferons selon vos souhaits, super commandant. Vraiment. Suzanne, il y a deux types de personnes.
ceux qui écoutent et ceux qui n'écoutent pas. Ceux qui écoutent vivent. Et ceux qui n'écoutent pas meurent. Je crois que je n'ai aucune affaire à traiter avec toi. Tu seras très déçu, Suzanne. Les bijoux du voleur ne pourront jamais se retrouver dans le sac des poquettes. Ce que tu cherches à l'église, tu ne pourras pas, parce que tu ne pourras pas venir avec ton mari. Nado, je crois qu'il est temps pour que tu éclaircisses cette chose. Ton mari s'est venu avec la mère. Dans le temps, donner à cette étoile. Parce que nous savons que tu feras tout ton possible pour qu'il soit bien enterré. Au nom de Jésus. Amen. Que tu sois rempli de grâce, ô Seigneur des Seigneurs. Béni soit ton Fils qui est mort sur la croix, ressuscité le troisième jour et monté au ciel. Et vous, Marie, ô Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de mort. Amen. Maintenant que nous allons dormir, ô Père, nous remettons dans tes mains nos vies. Et déclarons que soit vaincu le malin de la peur dans maison. Nous déclarons que les démons ne feront plus rien dans cette nuit au nom de Jésus. Ô Dieu, toi qui es puissant, veille sur nous et assiste-nous tout au long de cette nuit. Couvre-nous dans le sang de ton Fils Jésus et tue toute attaque avec le feu du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne nuit les enfants. Bonne nuit maman. Bonne nuit maman. Bonne nuit maman. Ok, allez, chacun à sa place. Couchez-vous. Il est tard les enfants, il faut dormir maintenant. Tracy, couche-toi. Bonne nuit les enfants. Tu es le maître de tout mon être. Voici le garçon, c'est lui qui possède le cœur de la vie, c'est pour lui que nous sommes là. Alors prenons son cœur. Salut mon ami, est-ce que je peux m'asseoir avec vous? On dirait que vous avez un problème. Pourquoi êtes-vous triste? Mon nom c'est Chinedu et j'ai été envoyé pour vous aider. Allez-y, essuyez vos larmes. Est-ce que vous vous sentez mieux à présent? Savez-vous,
il n'y a rien d'impossible. Pour ceux qui vraiment croient. Ceux qui croient en quoi? Tous ceux qui croient en Dieu. Et aussi en son fils Jésus-Christ. Il est venu guérir les cœurs brisés. Et pour délivrer les captifs. Écoute mon ami. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'intérioriser son monde merveilleux. Parce que dans son monde, n'existe ni peine ni souffrance. Toi, tu as besoin de lui pour combattre tous ceux qui envient ta vie. Le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, dit ceci. Et eux, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Laissez-le. Cela n'a été écrit nulle part que nous devons exécuter les ordres du démon ou de ses agents. Qui ose se mesurer au grand maître Shankéké devra payer pour sa folie. Lui qui a fait la vie, sa grandeur n'a de limite sur la terre. Le nom de mon Seigneur est plus puissant que tous les noms. Et en son nom, je vous ordonne, démon. Lui, au nom de Jésus, lui qui a porté toutes nos fautes, je prends autorité sur vous et je vous renvoie d'où vous venez, démon. Rentrez! Rentrez, démon! Lui, partez! Au nom de Jésus! Merci Seigneur. Merci Jésus. Mon frère, Dieu est avec vous. Et tant qu'il sera avec vous, il n'y aura personne pour se dresser contre vous. Gardez ses paroles. Couvrez votre corps avec le sang de l'agneau et ce tout le temps. Dieu a lutté pour nous. Aujourd'hui, on devait être déjà loin de ce village. Pendant que tu parles, j'y pense. Est-ce qu'on serait en train de manger des ignames comme ça? Pourtant, ça fait des années qu'on est installé ici. On devait se retrouver comme étrangers ou réfugiés dans le village d'autrui. Et rien ne nous garantissait qu'on devait avoir l'opportunité de griller notre igname comme ça. Comment est-ce qu'il peut vendre son âme au démon juste pour de l'argent? Tu vois, non? Parfois, il est même bien d'être pauvre et d'être heureux. Regarde un peu comment tous ces gens-là qui servent le démon souffrent à leur mort comme Ogwe Fiozonamani à cause des règles. Les gens sont vraiment stupides dans ce monde. Comment ils peuvent manger la viande tout en sachant que ça va les tuer? Ils vivent bien pour finir dans l'enfer. Eh bien, les bétois et moi, nous sommes pauvres. Mais nous avons notre liberté. Bam! Bam! Hey! Thank you.
Vierge Marie, Mère de Dieu. Bonjour mon père. Qu'es-tu venu faire ici seul? Où est ta maman? Elle est à la maison. Je suis venu savoir pourquoi vous ne voulez pas enterrer mon père. Maman dit que vous avez dit que vous ne voulez plus le toucher. J'ignore. Tu vois, sans te mentir, il y a des choses qui sont difficiles à t'expliquer. Non, 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 mon père. Mon père, moi je sais que rien n'est impossible à tous ceux qui croient. Et moi je crois que vous pouvez enterrer mon père si vous voulez. En effet, je le sais. Mais il y a ceux qui peuvent aussi enterrer leur père eux-mêmes. Un homme m'est apparu dans mon rêve. Il est apparu dans mon rêve. Il m'a dit que le pouvoir de Dieu est en nous. Il m'a aussi dit que nous pouvons vaincre tous les ennemis par le sang de... Le sang du Christ. C'est ce qui est écrit dans les enseignements. Regardez, mon père. Je vous dirais que vous venez enterrer mon papa. Je ne veux pas que ces gens-là le touchent. Ma maman m'a dit qu'ils n'appartiennent pas à leur goût. Ogwefi Ozonamani, dis-moi ce que tu fais chez moi. De plus en plus, je me sens mal. Au fur et à mesure que le temps approche, pourquoi m'avez-vous abandonné dans ce cercueil, dans la peine et la honte? Mais c'est... Son cœur maintenant. Allez me chercher le cœur de ce garçon. Sachez que je ne pardonnerai plus vos échecs. Partez. Ce matin très tôt, j'ai reçu la visite de Namani. Encore? Oui. Il était assis dans mon lit. Il menace l'existence de ses fraternités. Nous sommes en danger. Notre vie à tous est en danger. Nous allons enterrer Ogwefi avec ou sans le cœur. Moi, je suis inquiet. Je suis plus inquiet que vous, suprême commandant. Suzanne s'entête à faire venir les gens de son église. Et le petit garçon dont vous parlez a un pouvoir surnaturel qui provient de leur maître spirituel, celui de leur église. L'existence de notre fraternité est menacée. Notre Shanki qui est un grand maître, personne ne pourra oser s'opposer à lui et vivre. Avec nos divinités, nous pouvons combattre, essayons de reprendre un nouveau pouvoir chez eux. Shanki! Maître! Nous avons besoin de ton pouvoir! Viens! Viens! Oh, suprême des suprêmes! Viens! Oh, toi, maître des ténèbres, viens montrer ta puissance. Viens, montre ta force.
Ogofi, Ogofi, mais c'est, cette chose-là que tu nous fais là, est-ce que tu ne vois pas que c'est un déshonneur que tu apportes dans cette famille, hein? Famille, au nom de mes ancêtres, demande à tes gars de nous laisser enterrer notre frère Ogofi Namani tranquillement. Frère Odibo, laisse-le continuer. Laisse qu'il continue à se ridiculiser. Lorsque tout ceci sera terminé, il saurait quoi lui dire. Permettez que je rende cela clair pour vous deux. Notre frère Ogofi était seul à faire son pacte. Et c'est aussi lui qui m'a amené dans la fraternité. Nado, est-ce pour cette raison que tu veux qu'il ne soit pas enterré? Tu t'imagines? Ogofi m'a lui aussi tendu la coupe de la vie sans hésiter. Ce qui veut dire que lorsque viendra le temps où notre grand maître et seigneur Shankiki viendra réclamer mon âme, la fraternité sera présente à mon enterrement. Alors n'oubliez pas qu'ils viendront faire des cérémonies auprès de mon corps et c'est de leur droit. Par tous les ancêtres! Et ça dit qu'avec toi aussi ce sera pareil. Tu seras assis dans ton cercueil. Vous, you see, ce qui lui arrive doit servir de leçon à tous. Parce que il s'était permis de partager sa loyauté entre trois maîtres. Franchement, ceci est incroyable. Cette forêt peut parcourir le monde, mais il arrive toujours un temps où malheureusement, malgré leurs efforts, ils cessent d'exister. Par le nom de celui qui a fait toute chose, le créateur du ciel et de la terre, au nom de celui qui a créé toute vie et qui nous a donné la sagesse, par le nom de Jésus, Fils de l'Esprit Saint, retournez d'où vous venez. Retournez devant. Alors sachez, notre Dieu est un Dieu de pardon. Et lui-même dit que rien ne lui est impossible. Et c'est ce que nous avons décidé de démontrer. Tout ce qu'il y a dans les contours ne nous concerne pas. Le nom de notre Seigneur devrait prendre la place sur tous les autres noms. Cela pour donner la honte aux démons et à tous ses agents. Comme le révérend Père l'a dit, retournez à la maison et préparez-vous. L'église viendra enterrer Ogofi demain matin. Merci frère Banabé. Merci. Frère Banabé, personne de nous ne comprend ce qui se passe. Depuis la mort de Ogofi, c'est devenu une terreur pour nous. Franchement, depuis que lui se trouve dans ces conditions, pas mes ancêtres. Depuis que l'église s'est intéressée à cela, on n'arrive plus du tout à rien comprendre. Mais Dieu merci que le grand prêtre ait décidé de venir l'enterrer. Nous vous remercions. Nous serons là. Que l'église ait décidé de venir l'enterrer. Tu sais, même le comité de la chefferie a décidé de venir demain l'enterrer. Mais là, ça va encore devenir un autre problème, non? L'église vient de donner son accord qu'ils viendront l'enterrer demain. Mais l'église et la chefferie n'ont pas de problème. Mais les dieux pourront venir enterrer mon frère, hein? Odibo,
Si je voulais n'importe quel enterrement, j'aurais donné le corps notable de l'enterrer. Ou alors j'aurais simplement laissé Nantes et ses bâtards l'enterrer. Mon mari était un chrétien. En plus, il était ancien de sa paroisse. Et puis quoi? Je ne peux pas comprendre ça. Hey, je ne veux rien de ces rituels traditionnels le jour de son enterrement. Je ne veux rien de tout cela. T'es un gros méchant. Suzanne, c'est ta tête. Qu'est-ce qui nous a mis dans ces problèmes? Hein? Quel genre de femme es-tu? Tu ne peux pas écouter? Le Seigneur restera mon soutien. Tout ça ne te fatigue pas? Le Seigneur restera mon soutien. Hey, qu'il est temps de mettre fin à cette histoire, suprême commandant. Ma grande maison à Lagos s'est brûlée dans des circonstances vraiment inexplicables. Et d'autres faits mystérieux se sont produits. Je crois que notre grand maître nous a définitivement abandonnés. Ce village a de la chance. Ogwefi Ozonamani fera son dernier voyage aujourd'hui. Hey, hein? C'est quand on va voir qu'on va croire. Ouais. Les nuages peuvent noircir le ciel. Et au moment venu, aucune goutte de pluie ne tombe. Je ne peux pas rater ceci. Ah, ma foi! 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 Ah, ma foi!
Devant, Aguaragbe ne joue pas. Aguaragbe est la lumière qui éclaire l'obscurité. Aguaragbe dit au Gwefiozon Amani partira dans l'au-delà aujourd'hui même. Il sera enterré. Moi, Aguaragbe, le grand Tibia, qui dit que même le parc privé d'un homme ne peut être scellé pour toujours. Toi, aujourd'hui même, tu verras l'au-delà. Aujourd'hui! Maintenant, qu'allons-nous faire? Hey! Le cadavre est toujours assis dans le cercueil. Hey! Hey, Kata! Viens qu'on reste de ce côté. Mais qu'est-ce qu'il y a? Allez-vous-en! Allez-vous-en! Nous sommes venus prendre ce qui nous appartient. Rien ne vous appartient ici. Ogwefi Ozon Amani appartient à Chantiki. Dégagez! Rien ne vous appartient ici!
Allez-vous-en, partez. Rien ne vous a passé ici. Sortez de chez moi. Sortez. Jean Kiki, grand maître, montre ta grandeur maintenant. Viens restituer l'ordre dans notre communauté. Ogwefi Ozo Namani, mets-toi en position d'enterrement tout de suite. Au nom du pouvoir du grand maître Jean Kiki. Maintenant le prêtre est venu. Mon père, vous êtes là. Ces démons là, ils sont encore ici. Ils sont revenus. Pardon. Mon père, s'il vous plaît, faites quelque chose. S'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous, mon père. Suzanne, mon père, le combat ne nous appartient pas, mais à notre éternel. Bernabé, prie pour moi. Junior, maman, Jésus, Seigneur. Viens, non, viens. Laissez-le. Viens avec moi. Que la paix du Seigneur soit dans cette maison. Et aussi avec vous. Tu as le courage de revenir ici encore. Je vois que c'était une erreur de t'avoir laissé en vie la première fois. Alors maintenant, je vais corriger cette erreur. Mon Dieu se battra pour moi et je repartirai en paix. De la même manière qu'il s'était battu dans le passé, aux côtés de ses prophètes pour montrer la lumière. Le Seigneur vous mettra dans la honte aujourd'hui. On dirait que tes oreilles n'entendent pas bien. Vous, enfants de Satan, désolé, Dieu va vous vaincre. Oh, quel culot, petit rat. Quel qu'en soit ce que c'est qui vous possède, vous. Moi, je vais vous apprendre comment est-ce qu'on parle devant son supérieur. Surtout devant le prêtre de Jean Kiki. Le Seigneur est notre bouclier. Et qui que vous soyez, vous ne pouvez rien contre nous. Alors, sous vous, j'envoie le feu du Saint-Esprit. Au nom glorieux de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Jean Kiki. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Je te remercie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon père. Oui. Et concernant mon papa. Seigneur Jésus.
toi tu nous as dit. Dans ta sainte Bible, les mots suivants, je cite. Tous ceux d'ennemis arrêtés au captif et un emprisonné. Tous ceux condamnés dans les ténèbres seront libres. Toi que l'ennemi a gardé prisonnier, aujourd'hui je te reprends de main de captive. Oui, toi qui te fais prisonnier, à Shankiki, je te libère maintenant par le nom puissant du Seigneur Jésus. Tu es libre. Tu es libre au nom de Jésus. Je te libère. Oui, au nom de Jésus. Maintenant, sois libre par le sang de Jésus. Amen. To read.